c'est pas tellement une question de frontières, des limitations de frontières. C'est pas tellement une question même de racisme. Et le blanc ou bien le dominicain qui veut pas voir le noir haïtien. Ceci, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes qui viennent conforter la réalité, à savoir ce que l'impérialisme a décidé pour Haïti et pour la zone. Pourtant, pour Nora Amilcar Jean-François, dans l'association Femmes Juges, solidarité tout bon entre Haïti et Saint-Domingue, c'est beaucoup pour aujourd'hui ni demain. À propos de la solidarité dont vous avez parlé, cette solidarité n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain non plus. Peut-être on doit attendre beaucoup et beaucoup d'années, hein, pour arriver, peut-être siècles pour arriver à cette solidarité. Pourquoi je le dis? Parce qu'en 2002, la République dominicaine avait modifié sa constitution. Et au terme de ces modifications, donc, il y avait le jus soli et le jus sanguini. Ambassadeur pays Chili, Patricio Utrelas, qui était invité dans des baillots, quoi est nécessaire pour continuer des voies mémoire sous massacre dans l'histoire migration haïtienne. Il n'y a pas, il souhaitait une réflexion qui continue faite sous migration haïtienne dans le pays Chili. Aujourd'hui, il y a une communauté haïtienne au Chili qui se chiffre aux environs 180 000, 200 000 haïtiens, qui et vous me direz, oui, c'est complètement différent, rien à voir. Bon, je vous provoque peut-être à voir si vous avez des réflexions sur qu'est-ce qu'on a à réfléchir sur les relations entre le Chili et Haïti dans les contextes de la migration qui aujourd'hui s'est fait au Chili. Professeur université Didier Dominique, dirigeant Bataille Ouvrier, pas manqué dénoncer toute agressivité et violence migrants haïtiens ont subi Saint-Domingue tant qu'on a pays Chili. Syndicaliste l'a rappelé tout, responsable usine dans Côte d'Ivoire, Wanamet, l'a dit qu'il était bail ouvrier au piqui pour faire pas qu'à faire petite. Ça qui a dérangé production yo. Les critiques avec toute force li, secteur privé haïtien ou dominicain, li dit qui joignent si pour l'état des pays yo, qui mettaient ensemble pour maltraiter les migrants haïtiens yo. Jean-Suzy Castor décrit ça dans le livre Lia. Didier Dominique a expliqué. Ma fin songe aux époques que Capayan, propriétaire Côte d'Ivoire, dans Wanamet, était vacciné ouvrier et ouvrières. Censé contre tétanos. Nous faisons délégation de médecins, dont Arnel, et qui allait l'autre bois, trois médecins, et qui ouait que ce n'est pas nos vaccins contre tétanos. Tout d'abord parce que ce n'est pas au vaccin, il n'y a pas de vaccin avec deux ampoules, et que c'est au bagage pour stériliser mesdames. Yo. Effectivement, 8 ans, ils ont perdu petit. Yo. Et toute l'autre, yo, pas qu'à enceinte encore. Le gouvernement haïtien n'a pas dit rien. Hein? Et lorsque vous protestez, l'armée dominicaine, si nous songez, rentrer, non seulement dans le Côte d'Ivoire, mais nous sortir, donc nous rentrer dans Wanamet et le bat Mounio. A dit, l'association des industriels haïtiens, même Mounio, pour parler d'oligarchie, appuyé sous prétexte que c'est une violence, pas de pièce violence, ni rien. C'est mon qui a protesté contre des bagages aussi horribles. Donc en réalité, tout ça fait partie de nous ensemble, côté que nous voyons que classe dominante dominicaine et classe dominante haïtienne fait une pour toute exaction, ça, oui, toute domination, ça, et ta réactionnaire qui est au service fait une tout. Donc ce n'est pas vraiment question de pays à pays, c'est question de classe, question d'unité de peuple là, c'est lié au pipé. Et c'est lui pour nous rechercher plus. Au tel le massacre de 1937 et les relations haïtiennes-dominicaines, non, qui t'a réagi sous question à commenter qui t'a fait ce livre-là, longe douette sous Kokodai, ti groupe moun qui gagne moyen en meyo, qui la cause, ces pays voisins qui gagne la voix au chapitre. Suzy Castor montrait absence totale lien politique gouvernement haïtien par rapport à Saint-Domingue. De la complicité des deux oligarchies. Effectivement, dans tous les événements, nous les voyons, et à tous les moments historiques, il y a un point, il n'y a pas, disons, de politique haïtienne face à la République dominicaine. Quelle qu'elle soit cette politique. La politique qui se manifeste, c'est justement cette politique d'abdication dont nous parlons. Mais ce n'est pas une politique définie.
c'est pas une politique logique qu'il te voit là. Il y a, nous sommes dans telle situation, et bien la République, nous allons dans cette route-là. On pourrait la combattre, mais il n'y a pas. Plusieurs autres aspects étaient dans le temps des baillots. Tant qu'importance, ça a gagné pour gagner une édition livre ça en créole, pour une plus bonne compréhension dans l'école sous tranche l'histoire ça. Nécessité pour taguer une charte qui définit relations amitiés entre Saint-Domingue et Haïti. En pile route, rété pour fête pour arriver à résoudre problème migrant haïtien, si en réalité, en série pas faite pour changer la vie par Boïcite. Conférencier, t'es météo d'accord pour dire.